Bonjour, bonjour les enfants. Vous êtes tous présents devant vos cahiers de mathématiques. Alors aujourd'hui, nous avons travaillé ensemble dans la classe pour la première fois. On va découvrir la dizaine. Qu'est-ce que c'est qu'une dizaine? Alors nous avons des exercices ici très très simples. Et au fur et à mesure qu'on va les travailler, on va commencer à savoir ce qu'est une dizaine. Alors c'est très simple. Une dizaine est égale à 10. Je répète, une dizaine est égale à 10 éléments, 10 objets, est égale à 10. Alors nous avons le chiffre de la dizaine qui s'écrit à gauche et nous avons le chiffre de l'unité qui s'écrit à droite. Alors unité, ce sont les chiffres de 0 à 9, de 0 à 9. On les appelle des unités, nous les appelons des unités. Rappelez-vous, quand il y a un seul chiffre et pas deux ni trois, un seul, ça veut dire que ce sont des unités. Quand je commence à écrire deux chiffres, ou alors deux nombres, comme vous voulez, ça s'appelle une dizaine. Une dizaine. Alors je répète, une dizaine est égale à 10. Quand je dis par exemple deux dizaines, ça veut dire 10 deux fois. 10, 10, deux fois. D'accord? Alors nous allons travailler ça au fur et à mesure. Maintenant, c'est seulement un petit exemple que je vous ai donné ici. Alors nous avons travaillé cet exercice aujourd'hui en classe. Découvrir une dizaine. Qu'est-ce que c'est qu'une dizaine? Alors j'ai donné à travailler exercice 3, 4 et 5. Nous allons commencer par l'exercice numéro 3. Entoure les dominos du 10. Nous avons ici 4 dominos. Nous allons compter les points qu'il y a sur chaque domino. Et quand on trouve 10, le nombre 10, on entoure le domino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors sur ce domino, il y a 10 points noirs. On va entourer ce domino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, ici je n'ai que 9 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, ici je n'ai que 8 unités, 8 points noirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur ce domino, j'ai une dizaine de points noirs. Une dizaine, ça veut dire 10 points noirs. Alors ça, c'était pour l'exercice numéro 3. Exercice 4. Salima. Alors ça, on appelle ça un problème. On doit réfléchir et trouver la réponse. Salima a sorti les 10 crayons de sa boîte pour faire un dessin. Nous avons ici devant nous la boîte de crayons de couleur de Salima. Et comme vous le voyez ici, nous avons le nombre 10. 10 crayons. Dans cette boîte, il y a 10 crayons. Alors, on nous dit, Salima a sorti les 10 crayons de sa boîte pour faire un dessin. Combien de crayons reste-t-il dans la boîte? Alors, si Salima a sorti ses 10 crayons de la boîte, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, les 10 crayons qui étaient dans la boîte, Salima les a sortis et les a posés devant elle pour faire un dessin. Combien de crayons reste-t-il dans la boîte? Il nous reste combien de crayons ici? Alors, si moi j'ai 10 crayons dans la boîte et que Salima a sorti ses 10 crayons et les a posés devant elle, il reste combien de crayons à l'intérieur de la boîte? Zéro. Il nous reste zéro. Il reste zéro crayon dans la boîte. Il ne reste plus de crayons dans la boîte parce que les 10 crayons, Salima les a sortis. Alors, ça, c'était pour l'exercice numéro 4. Exercice numéro 5. Chaque parking, alors un parking c'est là où stationnent les voitures. Chaque parking comporte 10 places. Complète les panneaux. Alors nous avons ici 3 parkings. D'accord? 1, 2 et 3. Alors dans chaque parking nous avons des voitures. Dans celui-là il n'y en a pas. Alors voilà. Dans chaque parking il y a le stationnement de 10 voitures. Alors là on me dit... Place occupée. Alors, place occupée, ça veut dire les places où il y a déjà des voitures. Alors, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Alors regardez, nous avons 8 places occupées. Ça veut dire qu'il y a déjà 8 voitures stationnées dans le parking. Et on nous dit, il reste combien de places libres? De places où il n'y a pas de voiture. Les places libres, il nous en reste 2. Il nous en reste 2. Alors si moi je fais 8 plus 2, ça va me donner 10 places dans le parking. On passe au deuxième. Place occupée, 10. Comme vous le voyez ici, tout le parking est occupé par les voitures. On en a 10. 5 à gauche, 5 à droite. Alors, il nous reste combien de places libres? Est-ce qu'on a encore une place ici où une voiture peut venir se stationner? Non. Donc, place libre, 0. Il n'y a plus de place libre. Alors là, on nous donne un parking vide. Un parking vide. Alors, place occupée. Est-ce qu'il y a des places occupées ici? Non. 0. Il n'y a aucune place occupée. Il n'y a aucune voiture dans le parking. D'accord? Le parking est vide. Et combien de places libres? Alors, on a toutes les places qui sont toujours libres. Alors, puisque le parking comporte 10 places, ça veut dire qu'il nous reste 10 places libres. 10 places libres. D'accord? Voilà, alors ça c'était pour les 3 exercices que vous devez effectuer sur votre cahier de mathématiques, page 34. Bien, je vais passer maintenant aux exercices que j'ai donnés sur le cahier marron.